éviter les confusions. Après, il viendra, il va sortir, il va trouver l'assesseur numéro 2, qui est ici, qui va lui faire signer sur la liste d'émargement. Pour que nous soyons rassurés que la liste qu'on a pointée à l'entrée là sera la même liste qu'on a utilisée à la fin pour dire que c'est la liste qu'on a affichée. Lui. Ici, c'est 2 parce que nous avons 2 sous. Il va émarger sur les 2. Alors. Là, il finit son parcours, il peut rentrer, s'il veut, il peut rentrer et assister, voir comment ça se passe. Ici, nous sommes dans la campagne, vous êtes là, vous tous, vous voyez ce qui se passe. Si quelqu'un a voté, il n'a pas glissé, vous pouvez voir. Et nous veillons sur ça, parce que nous avons besoin de tous ceux qui votent pour des votes. Nous avons la possibilité de bulletiner aussi. Si quelqu'un ne veut pas voter, il vote, il vote, il vote, il vote, il vote, il vote. Alors, lorsqu'on finit les derniers, parce que le bulletin signé, tout le bulletin qu'on trouve dans les urnes doivent porter 2 signatures. La signature du président et la signature du secrétaire. Que ce soit le bulletin pour les sénateurs ou pour le gouvernement. Alors comment ça se passe? Le président, au départ, il a le bulletin paraphé déjà au nombre des quorums. Parce que nous avons communiqué que nous avions autant de grands électeurs qui sont là. Le secrétaire lui signe déjà le bulletin pour cela. Il lui donne le bulletin du sénateur avec une signature, avec le paraphe du secrétaire. À chaque fois, quand le secrétaire veut remettre un bulletin, il ajoute sa signature, son paraphe. Donc ça prend 2. De la même manière, le président signe aussi pour les gouverneurs en amont autant de bulletins qu'il y a autant de grands électeurs. Le secrétaire, avant de remettre pour le sénateur, il ajoute sa signature. Ça fait 2. Vous voyez, parce que le bulletin doit avoir 2 signatures. Et lorsqu'on finit l'opération de vote, tous les grands électeurs, ou lorsqu'on constate qu'il y a un électeur qui n'était pas là lorsqu'on a constaté les quorums et qui vient s'ajouter, donc ce sont des cas possibles. Il est venu en retard. Il a le droit d'effectuer son vote.